Aujourd'hui, on vous amène avec nous sur la deuxième partie du mariage de l'année. Nous sommes de retour. Nous voilà. We are back. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du mariage mondial. Le mariage qui a fait exploser les flashs, etc. On perd pas de temps, je pense qu'on entre direct dans le délire. Let's go. Aujourd'hui, on va à un mariage intergalactique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'attends que Fossel arrive, mais là, c'est la deuxième partie de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. C'est le retour de trois mariages pour un pot de miel. Mais c'est une vidéo spéciale parce qu'on va pas faire de concurrence entre les mariages, vous avez capté. On se focalise sur le mariage de Whitney et Dylan. Les gars, la semaine dernière, vous avez déjà vu comment c'était feu, comment c'était chaud. Vous avez vu les tensions, mais vous avez aussi vu le beau mariage que c'était. Et aujourd'hui, on poursuit la réception. Il y a ma cousine qui vient d'arriver. Coucou Eva, tu dis coucou YouTube? Tu dis coucou à YouTube, Eva? C'est ma cuisine. On est sur la soirée dansante. Ça va être un délire, les gars. Ça va être un délire. Abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez un like et commentez déjà. Parce que, les gars, le feu va exploser ici. Les gars, il y a un tapis rouge, hein. Parce que, les gars, oui. Parce que, oui. Il est important de rappeler que le thème de ce mariage, c'est Red Carpet. On est retourné à l'hôtel pour se changer et mettre le tenue du Les tenues du Red Carpet. C'est pas pour rien qu'on est habillés tous, t'as capté? Regardez la tenue d'Edith. Edith, oui, coucou. Attends, c'est quoi ta phrase déjà? C'est mon poser question. Franchement, Jenny, elle a gardé mon place juste. Elle dit qu'il y a 5 minutes. Je cherche des choses, genre. Vous vous changez quand on date? Le changement a déjà commencé. La mariée est en train de faire sa transformation. Très bien. Le marié est en train de faire sa transformation. Très bien. Bon, en tout cas, là, on va passer sur le photocall, les gars. Let's go. On change, on passe de la tenue traditionnelle à la tenue smoking, gala, t'as capté? Parce que le thème du mariage, c'était Met Gala. C'était pas du red tout ça. Carpet. C'était Red Carpet. Ça va les gars? Ça va? Salut! Les gants et tout! Les gens ont respecté le thème. Voilà, les gens ont respecté tout simplement, tout bonnement le thème. Il y avait tout un engouement derrière ce mariage. C'était pas un mariage, c'était un événement. Mm. Et du coup, bah, fallait mettre la barre haute. Haute. Vous vous rappelez de mon épouse ou pas? Est-ce que vous vous rappelez de mon épouse? Salut, vous allez bien? À la vie, à la mort, c'est toi et moi d'abord. Je réparerai tous les beaux casiers. Oui, elle t'a remplacé, c'est mon ex. On veut dire que c'était moi la première. C'était la première. Ensuite, c'était elle, maintenant c'est mon ex, on a divorcé. Ouais, on a divorcé, malheureusement. Mais on s'entend toujours bien. On s'entend toujours très bien et elle est toujours magnifique. Merci. Donc j'aimerais bien la remarier. Mais bon, c'est pas possible. À la bien. Dalila. Moi. Tu es belle. Une douceur. Comme le miel. Dexter aussi, hein, il est pas mal. À pas mentir. À pas mentir. J'ai aimé le style. Franck, c'est là. Très smoking, très chic. Hein. Vous avez respecté Whitney et Dylan. Ouais, nous, on plaque pas. Et je vous remercie de leur part. De rien. Voilà. Merci. Wow. This is what we call beauty. This is what we call beauty. Yeah. Juliette, elle va pas blaguer, hein? Oui? Quand même, je t'ai dit changement, non? Tout à l'heure, vous allez voir le changement. Le changement de la tenue? Ah! J'ai peur de ce qu'elle nous annonce. Les gars, on va passer sur le photocall avec Edith et Cécilia, les membres du jury. Et je crois qu'on sait, on revient tout à l'heure, on repassera. On voit les gens sont apprêtés, sont tous contents, beau, ils se sont changés. Donc ils faisaient des photos, etc. Franchement, c'était un red carpet, vraiment un gala. On arrive à tout le monde se pose, tac, devant l'objectif. C'était juste incroyable. Attention, bonjour. Bienvenue dans le globe des Silas. Dans le globe. Attends. Bienvenue dans le globe des Silas. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Un truc. En plus, c'est mon mari au platine. Bisous! Cécilia, give it to them! Give it to them! Ouais. On rentre dans la salle. Il y a du monde. Quand on rentre dans la salle, voilà, on s'installe. C'est bondé. Hein. Il y a du monde et il n'y a pas forcément de place. Ah non, moi, il n'y a pas de où on s'installe. Il n'y a pas de ça.
Mais je rentre dans la salle remplie au maximum. Vous nous avez gardé nos places, mais un peu bizarre. Ouais. Il faut se le dire, les gars. Il faut se le dire. La salle, c'est un délire. La salle, c'est vraiment un délire. On n'a jamais été à un mariage où il y avait une salle comme ça. On va aller voir le DJ. Aujourd'hui c'est DJ Clenary. DJ Clenary au platine. Bonjour messieurs, mesdames, j'espère que vous allez bien. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui là, ça va péter. Ça va péter. Attendez, là faut danser. Mon cher. La fille de moi, homme. Toutou, elle est bien. On a Asante. Asante Studio. Toutou, elle est bien. Le vidéaste du mariage. C'est moi, c'est moi. Si vous voyez des beaux plans dans ce vlog, c'est grâce à lui. Allez, j'attends que Fossa arrive. J'attends avec impatience que Fossa arrive. Allez, je retourne au protocole. Les gars, il y a Fossa. Moi j'arrive, le premier crâne chauve que je vois c'est Silas. Et c'était vraiment, c'était bien. Mais par contre ta tenue je l'avais pas vue avant. Ouais. C'est-à-dire j'étais agréablement surprise. Les gars, il y a Fossa. Du coup je suis sur le photocall, tourne la tête, je vois il y a Fossa. Les gars, il y a Fossa. Je dis oui, oui, oui. Oh, j'ai cru que j'avais bébé. Vous voulez faire ta tête? Tu t'es maquillée? C'est pas rien. Toi, t'es un maquillé là. T'es tout même. Il fait moins froid, dans la salle il fait chaud. Alors c'était bien ta journée? Toute la journée je l'ai passée sans elle. J'attendais qu'elle vienne pour aussi profiter un peu de tout ça quoi. Tu sens bon? Je suis trop content, trop content. Bon, viens prendre la photo, viens prendre une photo, vite. On va prendre une photo sur le photocall. Noël. Mais du coup, Fossa et moi, on fait des photos sur le photocall. Regardez les Totally Spice. Les Totally Spice du Ghana. Elles n'ont pas de Jerry. Elles travaillent toutes seules. En tout cas, elles sont dans le thème, elles sont très belles. Merci. Il faut vous abonner si vous voulez voir plus de femmes belles. Dites abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ça. Merci les filles. Je donne la caméra à celle qui est trop belle dans la soirée. Abigail de la Fossa Animation vient et anime, fait un jeu avec les darons et darons et tout. Et franchement, c'était super. Il y avait grave de l'ambiance, grave de l'énergie. Animation qui va dans le public. Hello. Et tout. Hein. Hi. Show them. Ça fait beaucoup pour seulement des FIA. Et les Abnès, quoi. Les Abnès, pourquoi? Wow. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci. Avenant, elles savent trop être amoureuses. Avenant, forme. Les Avenants, elles sont très calmes. Elles sont très calmes, je sais pas. Elle est moi, Abna. Vous voulez des conseils? La
ambiance. Quelle ambiance. Quelle ambiance. À qui on va gagner là ce soir? Gagnante Amanda, il faut lever la coupe. Superstar. Ok les gars, ils arrivent. Ça va être incroyable. Let's go. Bah là ils vont rentrer, il faut que les mecs ils s'installent, ils se placent. Excusez-moi, placez-vous. Excusez-moi, il faut rentrer dans la salle. Il faut rentrer dans la salle, s'il vous plaît. Je dois aider. Il faut rentrer. J'arrive pas à être convaincant. J'arrive pas à les convaincre. Il faut rentrer dans la salle. Il faut faire la deuxième entrée. Comment tu vas faire pour juger l'entrée? Salut, j'espère que vous allez bien. Salut, je m'appelle Marie. J'ai 24 ans et... Nope. Il faut leur rentrer. Il faut savoir comment tu as jugé l'entrée si tu vois pas. On va tomber, hein. Très belle, hey. Très chic ce soir. Merci beaucoup. C'est en Versace? Non, c'est en... C'est quoi déjà? J'ai oublié. Ou en marché de Sarcelles. Faut ça, rentre dans la salle, il va falloir rentrer. C'est parti pour l'entrée. Ça va? Comment ça va? On est là. On est là, la famille, on est là. Ça a pété aujourd'hui. C'était une journée très éprouvante. Très, très éprouvante. Mais on y est. Ça y est. Nous y est. Oui. Ok, c'est parti pour l'entrée, les gars. C'est parti. On va filmer. Là, je filme, filme ma démarche. Attends, reste là. Regarde. Là, c'est parti. Si vous voulez voir l'entrée, il faut rentrer. Si vous voulez voir l'entrée, il faut rentrer. Si vous voulez voir l'entrée, il faut... Oh bon, c'est bon, la blague est expirée. La blague a expiré. Ouais, mais il faut que ça se libère. S'il vous plaît, putain, à l'intérieur, faut pas... Que personne ne dépasse les barres blanches. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si ils se mettent pas sur les côtés, l'entrée là, c'est une entrée spéciale. C'est-à-dire que ça peut pas passer. Stop, je commence. Tout ça commence à dire ouais, tout, décalez-vous et tout, nanan. Mais quand je décalez-vous là, c'était pas des petits décalez-vous, hein, c'était grave ghetto. La MC, elle avait le micro dans la main. Décalez-vous. Alors elle est à côté de moi. Décale-toi. Soyez à l'affût, ça commence. Mike et Clara. Arrivé au moment tant attendu, le cortège va faire son entrée, l'ambiance dans la salle. À savoir qu'on savait que c'était Clara qui ouvrait le bal, donc on attendait que ça. C'est notre sœur, notre grande sœur, la petite sœur de Whitney, enfin sa cousine, qu'elle considère comme sa sœur. Go, Clara, oh, oh, go, oh. Clara, go, Clara, go, Clara, go, Clara. Ensuite, Cassandra et Bernard qui rentrent. Cassandra, la petite sœur de Whitney. Et elle entre comme ça, des petits pas, c'est tout en retenue, tout en classe. Elle est vraiment dans le charisme. Go, 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 Cass, go, Cass, go, Cass. Elle est là, elle s'ambiance avec ses petits mouvements comme ça, très charismatique. Souba. Hey.
Alison elle rentre avec, avec Braco. Faut savoir que Braco lui était prêt depuis. Lorsqu'il y a eu l'animation de la fossette, il dansait. Il était déjà sur la piste. Donc au lieu d'être avec le cortège, il était déjà sur la piste. Donc il était déjà prêt. Il était prêt. Tout le monde, je vous ai dit, tout le monde était prêt. Hein. Si vous connaissez Trois mariages pour un pot de miel, vous connaissez Jacqueline. Let's welcome Richard, and Jacqueline. T'as Jaja et Blaco, Buzzman. Ouais. Franchement, j'ai pas d'autres termes. Buzzman, c'est les seuls qui rentrent avec un drapeau. C'est les seuls qui demandent à tout le monde de se lever, de crier. Mmh. Mais pareil, mettre le feu. Ambianceurs, ils savent mettre l'ambiance. Jaja et Blaco, c'était le bon choix. Ils savent mettre l'ambiance. On a maintenant Nathalie et Paul. Je peux commencer à parler? Vas-y, commence. En fait, depuis le début, dans toutes les vidéos que j'ai filmées, ou du moins que j'ai pu filmer, j'ai pas crié. Parce que je l'ai réservé en fait. Et quand je les ai vues, j'ai fait Nathalie, c'est toi. C'est à ton tour. Eux, c'était leur mariage. Ouais, ils aiment trop lover. Ils étaient en train de lover. Ouais. Je ne peux pas dire autre chose. Ils étaient en train de lover. Au début, il était là, il faisait le romantique, et puis après, il a tout, ça a pété dans sa tête. Il a poussé. En fait, c'est comme s'il avait dit à la télé, mais c'est dégagé. Ouais, dégage, dégage. Il enlève ses habits, tout ça. Il a voulu faire un grand écart. Encore ? Oui.
Encore ça, parce qu'à son mariage, il a fait la même chose. Il a voulu faire un grand écart. Je pense que le pantalon était beaucoup trop serré. Il s'est dit non, stop. Et il ambiance toute la salle, il embarque tout le monde avec lui, genre. Tout le monde avec lui. J'ai cassé ma voix ce jour-là. Ah, c'était ça l'objectif. C'était vraiment l'objectif, c'était éteindre la capi, éteindre nos voix. C'est la meilleure entrée. Tu es trop chaude, tu es trop chaude. Sers-moi la main, sers-moi la main. Mesdames et messieurs. Greg, il s'étire. Greg, il s'étire carrément. C'est n'importe quoi. Ingrid et Greg. C'est n'importe quoi. Greg, c'est le frère du marié. Et rappelez-vous, dans l'épisode 1, si vous ne l'avez pas encore vu, il faut absolument aller le voir, les gars, parce que sinon, vous ne comprenez rien à l'histoire. Dans l'épisode 1, Greg, il avait cartonné sa voiture. C'est-à-dire que le mood, il était un peu, t'as capté. Là, il rentre dans la salle avec une énergie. On dirait que sa voiture a été réparée. Mais la tête de ouais, je dirais que la voiture a été réparée, parfaite et tout. La police ! La police ! En fait, il faut savoir que Greg, moi, je ne l'ai jamais vu danser un mariage. La seule fois où je l'ai vu danser un mariage, un jour sur Snap, je crois qu'il avait fait du buzz aussi à un mariage turc, mais c'est tout. Je ne l'ai jamais vu danser un mariage. Comme Paul, il a refait la même chose, hein. Il a levé sa femme. Et puis après, il s'est dit, c'est fini, mets-toi à côté. Grave. Moi aussi, je vais faire mon entrée. Donc, il a refait sa choré John Cena. 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 Et après, tous les gens du cortège, ils recopient. John Cena, John Cena, John Cena. C'est n'importe quoi. L'ambiance est incroyable. Thank you very much, Mr. DJ. Merci, DJ. Merci de votre entrée en matière. Les gars, l'entrée des mariés, c'est quelque chose. L'entrée des mariés, c'était un peu comme le cortège parce que du coup, les gens ils avaient commencé à bouger et tout un peu, ils voulaient un peu sortir et tout. Et ça vient me voir en boule des. Décalez-vous! Mais là, c'était pas un petit décalez-vous hein, parce que j'avais qu'il y avait une voiture qui rentrait en fait. Moi, j'avais pas compris, je me suis dit, mais. Moi, je savais pas qu'il y avait une voiture qui allait rentrer dans la salle. Je vois pas Whitney, mais je fais hey, « Whitney !» Je la vois pas, mais je fais hey! « Et c'était n'importe c'était quoi. C'était une dinguerie du jamais vu, wesh. Après, je suis directement montée en haut. Et je me suis changée, je me suis recoiffée. Moi aussi, je me suis coiffée. Je me suis recoiffée. Deux coupes. Ça aussi, c'est du jamais vu. Tu vois, tout. Il vit que pour le buzz, là. Hein?
quand je sors de la voiture, je vois tout ce monde, je suis grave content. Je me dis, ah, enfin, enfin le monde est arrivé. Et c'était tellement, tellement, tellement rempli que le chauffeur, il m'a dit qu'on ne pourra pas rentrer dans la salle. Parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Et c'était trop serré pour rentrer. Du coup, j'ai dû faire appel à Sissi, dégager le passage. Parce qu'il fallait absolument que je rentre avec la voiture. J'ai pas vu Silas. Silas, il devait en train de dégager les gens et en même temps tenir sa caméra. Quand je descends de la voiture, genre je suis choquée. Je vois tout. Je faisais que ça. Je secouais ma tête en mode eh, mais c'est qui tous ces gens? Genre, j'étais trop choquée. J'ai adoré la DA de Whitney. Mm. Pareil, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça faisait un peu vintage, ouais. Le rouge à lèvres rouge. Enfin, faut oser. Mm. Et j'ai adoré. En fait, ça faisait vraiment gala. Elle a respecté son propre thème. Ouais. Et du coup, elle aussi, elle a rajouté une petite touche de paille, de jams, ouais. Ici. C'était, tout était dans le strass. Mais trop de monde. Je m'attendais pas à tout ça, en fait. La musique, elle avait commencé, j'étais encore sur place. Tellement j'étais trop choquée. Elle descend de la voiture, elle est comme ça, elle comprend pas. En fait, elle est comme si elle était dans un stade. Tu vois, en mode, c'est une célébrité, elle fait son concert et elle voit le peuple, elle est en mode wesh, dinguerie. Ou pas là qui ? T'as pas rêve. Non, j'ai pas rêve. Des paillettes de partout. Des paillettes de partout. Il a changé de coiffure. Grave. Je vous explique. D'habitude, c'est la mariée. Là, Dylan aussi, il a changé de coiffure. Paillettes sur les cheveux. Paillettes sur le costume aussi. Sur le costume, ouais. Sur le costume cigare. Réalisait pas, ouais. Elle réalisait pas qu'il y avait, que c'était son mariage, ouais, que il y avait tout ce monde autour d'elle pour elle. Ouais, surtout pour eux, pour elle, ouais. Mais ça fait plaisir de ouf, ouais, grave. De ouf, de ouf. Tu dis ah ouais quand même. C'est une dinguerie. Carrément, des fois, quand je regarde la vidéo, je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Illuminé de partout. Les lumières s'allument, c'était une dinguerie. Franchement, à vivre. Et ça se voit qu'ils sont heureux. Donc, ça veut dire que ça te communique un truc de ouf. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est la préparation du garçon après ta boue. Ah, il vous offre le bureau. Tout fait pour esquiver le slow. Moi, c'est la cité. Moi, j'aime pas les trucs comme ça, en fait. À faire de slow, on se dandine et tout, non. Moi, c'est pas mon truc. Comment on descend? Non, moi, je reste à la Jacques. Il faut l'ouverture de base et je suis en retard. Yeah.
et voilà, vous savez pourquoi aussi je voulais pas faire le slow? Le slow, ça va pas avec ma robe. Regardez. Mes manches, ils étaient mélangés à Dylan. Regarde, regarde. Fallait que Annie, elle vienne tout le temps. Ça, c'est... Non. Même j'ai cassé ma voix sur Dangerously in Love quand il y avait le slow. Ouais, le slow c'était pas mal. Le Dangerously slow, c'était... in Love. Change un peu, change un peu. Attends, je vais juste faire un petit avec l'une des femmes les plus belles. Que je connais en France. Je sais que tu vas venir. Salut Esther, ça va? C'est trop belle. Magnifique. Ouais, je suis dans un truc en ce moment. Tu vois, je suis dans un truc, je suis en paquet, tu vois. Ah, le paquet. Ouais, le paquet. D'accord. Esther, le paquet. D'accord, Esther, très bien. Le paquet. Esther, elle a toujours été un peu perchée. Hein, arrête comme toi, arrête de faire semblant. C'est vrai. Quand il était petit, il m'appelait Esther la folle. Esther la folle. Ta copine la folle, Nathalie, ta copine la folle. Comment dire? Tu vieilles toi en vrai, tu sais ou pas? Pourquoi tu dis ça? C'est vrai. Tu vieilles, des fois que tu vieilles. Tu vieilles tout l'été. Oui. Après toi un peu plus que moi peut-être. Moi je suis jeune encore, là j'ai que 20 ans. Ça vient quoi là? Là tu te rapproches dangereusement de là-bas. Ça vient quoi? La gâterie! Le gâteau qui tombe du ciel! What? What is this? Ici, le gâteau. C'était dans le thème tapis rouge, hein, de faire des trucs qui... En plus, c'était la seule salle qu'il faisait. Ouais. Et du coup, cette salle n'était pas choisie au hasard. C'est un vrai gâteau. C'est un vrai gâteau, on a coupé quoi? Si c'est un fake gâteau. Et on a mangé quoi? On a mangé après, non? Tu les as pas vus manger? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, pardon, dépose-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est bizarre. Oh là, elle est montée d'hormones. C'est bon, c'est bon. La dame champagne, il y avait plein d'animations en fait. Il y avait plein d'animations au mariage qui étaient vraiment sympas. La dame champagne notamment. Ça, c'est un métier ça? Non, c'est un métier. Je crois que c'est un prestataire. Dur. Comment tu peux avancer et tout, et puis t'as champomis, et puis tu peux pas tomber. C'est juste, tu mâches comme ça et tout. Elle mâche comme ça et tout. Champagne. What do you have, Jay? Champagne. Elle a du champagne et du champomis. What do you have? Champagne ou champomis? Champomis, oh, what do you have? La dame champagne. De base, on avait déjà l'idée de ramener une dame champagne. Mais après, on a laissé tomber, parce que vas-y, ça a ramené encore un budget en plus, on a laissé tomber. Et Daniela. Et le jour de la visite, Daniela a dit, on ramène une dame champagne. Nous, on a dit non, c'est mort. Daniela a forcé, le soir, elle a dit, elle a réservé la dame champagne. Elle l'a offert. Du coup, Daniela nous a offert la dame champagne. C'est l'heure de la compète. Il y aura une gagnante et un gagnant. C'est l'heure de la compète. C'est l'heure de la compète. Toi, tu gagnes ce soir. Tu penses que je gagne ce soir? Tu gagnes ce soir. En vrai. En vrai.
Je sais pas. Donc après l'entrée, le slow, il y a eu une deuxième animation. Le vote de la des personnes qui étaient le mieux habillées, filles et garçons. Trois nominés en catégorie hommes et catégorie femmes. Comment ça se fait, je suis pas nominée? T'es nominée. Comment je fais pour la plus belle tenue? Comment on fait pour être nominée? Pourquoi moi je suis pas nominée? Hein? Tu peux être nominée. Tu étais nominée. J'ai plus le temps, t'es nominée. Merci. Je suis nominée. Nominé. Nominé par nous-mêmes, par la grâce de Dieu, on est nominé. Par la grâce de Dieu, on s'est nominé. La volonté de Johnny. Amen, amen. Devant. Premier nominé. Le premier nominé, c'est Kojo Frank. Deuxième nominé chez les hommes, Monsieur Marvin. Monsieur Marvin est appelé à montrer son élégance ce soir. Il a été estimé qu'il était magnifique ce soir. Marvin de Garges, regardez-moi cette élégance. Le costume, on n'en parle pas. Brillant et scintillant. Les lunettes, la barbe en flic. Magnifique Marvin. Merci pour cet effort pour ce soir. Les femmes, ce soir. Tu n'as même pas nominé. Fais partie de leur cas, c'est bon. Troisième homme a trouvé reconnaissance chez nos mariés. Il est élégant, il a un teint ébène, une coiffure en flic. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Samuel Assare Mediako est appelé à rejoindre les nominés côté homme. Regardez son élégance. Dernière nominée chez les femmes. Nominé. Miss Robert Capet. Ils sont là. Monsieur ils ne t'ont pas nominé. Ils n'ont pas nominé. Oh, la coach. Ils m'ont fait ça. La coach. Ils m'ont fait ça comme ça. La coach. Bon. Le choix a été clair et net. Ce soir, pour la première et unique édition de Miss Red Carpet au mariage des Brobe, ce n'est personne d'autre que. Faites du bruit, sinon je ne dis pas. Ce n'est personne d'autre que. Daniela, sa robe, elle lui allait bien, elle était belle, ça a changé aussi de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, Ouais, c'était et toutes les nominées, elles étaient belles, hein, en soi. Tout le monde était belle. Le thème était vraiment respecté. Ça vous a soulevé de pas gagner ou pas? Tu nous demandes? Moi, au fond de moi, je savais que j'avais gagné. Genre, tout l'effort que j'ai mis, que ce soit dans les cheveux, dans le maquillage, dans la coiffure et tout, je savais que j'avais gagné. Ouais. Donc, Moi, en soi, c'était, le but, c'était vraiment d'honorer les mariés. C'est ça. Honorer les mariés. Donc, vraiment. Mettre le maximum dans ma tenue, dans tout ce que je pouvais, dans tout ce que je pouvais faire. Toutes les filles, elles étaient splendides. Mm. Les hommes, pareil, ils avaient tous des costards qui changeaient de l'ordinaire. Ouais. Moi, l'ambiance générale, je mets un 100 sur 10. Parce qu'en fait, je m'attendais à un mariage, hein. Mais je savais pas ça allait éteindre autant. Moi, en vrai de vrai, je mets 100 sur 10. Il y avait trop d'ambiance, wesh. Il y avait trop d'ambiance.
Il ne voulait pas partir en fait. De ouf. Ne voulait pas. D'habitude, les parents ils partent vers quelle heure? Vers minuit. Même 23h, ouais, etc. Surtout quand c'est loin, ils partent très tôt. Grave. Là, ils sont... les parents ne voulaient pas partir. Y a la piste de danse, elle était full. Genre, la piste de danse, elle s'est vidée que quand le mariage s'est fini, genre à 4h. Genre 4h, 5h, je sais plus quelle heure là. Là, les gens, ils ont commencé à sortir. Sinon, la piste de danse était full tout le long. Avec des vieux, avec des jeunes. Ils ont mis une lunette, tant t'es forcé, nous, vitre, tant t'es, je veux une drone, comme ça. Oui. Moi, j'ai dit qu'après leur mariage, j'ai dit, quand je vais me marier, je vais aller les consulter pour prendre tous les conseils. Bah. Toutes les idées, tout. Nos futurs mariés, allez chez Dylan. Ouais, grave. J'ai dit, je vais aller chez eux et ils vont me donner tous leurs secrets. Parce que c'était incroyable. Je te laisse dire le mot de la fin. Mais pour moi, merci à tous. Dédicace à personne, fallait être là. Non, je rigole. Franchement, je suis trop contente de mon mariage. J'ai eu le meilleur mariage. Merci à tout le monde. Cœur sur vous. C'est ça votre mot de la fin? Ouais. Je t'aime. Oh, mais si, je t'aime. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci mille fois de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment, ça nous a fait archi plaisir de faire cette vidéo. Ça nous a fait archi plaisir d'aller au mariage et de vous retransmettre notre culture, la culture ghanéenne. Mm-hmm. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Si vous aussi, vous avez kiffé comme moi, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous voulez plus qu'on ait à des mariages, si vous voulez qu'on note vos mariages. Écrivez un petit mail. Les gars, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo parce qu'on veut que la vidéo, elle parte. Là, qu'elle parte. On veut que la vidéo, elle monte à la hauteur du gâteau qui est descendu. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce concept du mariage de l'année et on espère vite en refaire un. Abonnez-vous, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Pour de nouvelles vidéos, bisous mes petits chats. Abonnez-vous sur Instagram. Bisous mes petits chiens. C'est ce que je veux dire. Bisous mes petits lapins. Très gênant.